Wesh les sangs, j'espère que vous allez bien. Bon, les frères, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite intro. On se retrouve enfin. Aujourd'hui, les gars, comme vous l'aurez vu au titre à la miniature, il y a longtemps, je crois qu'il y a 2 mois, j'avais fait une vidéo où je fais à manger pour mes parents. Donc, j'avais fait hamburger frites, un truc assez classique. Et ils ont bien aimé. C'est la première fois de ma vie que je faisais de la cuisine. Et franchement, ils ont bien aimé. J'avais demandé 15 000 likes. Bien évidemment, vous les avez fait. Donc, aujourd'hui, je vais faire à manger à ma grande sœur et je vais préparer mon meilleur plat. Enfin, en gros, je t'explique. Moi, pas de carbo, pour moi, c'est indétrônable. Tu peux me proposer ce que tu veux. McDo, Burger King, tu me proposes ce que tu veux. Pas de carbo, c'est indétrônable. S'il n'y a pas de carbo, je prends pas de carbo. C'est pour moi, c'est vraiment. Après, bon, chacun ses préférences. Mais moi, c'est ce que je préfère. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de préparer des pâtes carbo. Mais en fait, j'en ai jamais fait. Je connais pas la cuisson. Bref, franchement, j'espère. Je vais pas cramer la maison. J'espère franchement que je vais rien cramer. Mais je vais essayer de faire à manger pour ma soeur. Et si c'est pas bon, ben on commandera McDo, Uber Eats ou quoi. Parce que. Ben, Et vas-y, laissons. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire. Pour cette vidéo, on tente les 5 000 likes. 5 000 likes, c'est raisonnable. Bon, pour cette vidéo, on tente les 5 000 likes. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans s'être abonnées. Donc n'hésitez pas. Code créateurieuse avec 3Z. Et on est parti pour la vidéo. Bon, les frères, là, crème fraîche. Je prends la même que ma mère. Parce que c'est la meilleure. J'ai déjà goûté comme ça. Allumettes et des pâtes. Il ne faut pas beaucoup de choses, mais j'ai jamais fait. Donc je vais commencer à préparer. Là je fais cuire l'eau. L'eau pour mettre les pâtes. Ensuite je ferai cuire tout le reste. Bon du coup les frères je vous explique. J'ai jamais fait. Je vais mettre ça avant. Dans la poêle je vais les faire cuire un peu avant. Ensuite je pense qu'après je mettrai la crème fraîche. Et avec la crème fraîche je mettrai poivre, épices, sel un peu. Je sais pas comment on fait. Je sais pas les étapes. Donc je vais faire à ma manière. Je vais faire au hasard. J'espère que ce sera bon. De toute façon il y a Uber Eats frère si c'est pas bon. Du coup les gars comme je vais faire pour 2 personnes. Je vais mettre tout à moitié. En gros je vais mettre la moitié de la crème fraîche. Je vais mettre un paquet de lardons. Je vais mettre la moitié du paquet de pâtes. Et j'espère que ça sera bon. C'est le meilleur. De toute façon je vais vous le dire direct c'est bon. Parce que comme c'est ce que je préfère. Je suis un expert tu vois. J'ai les pâtes carbo de tout le monde. Ceux de ma sœur j'aime pas tu vois. Mais vas-y. Je le sais. Là je vais faire cuire un peu avant. En gros je les fais chauffer un peu pour que ça prenne du goût tu vois. Ensuite je mettrai la sauce dès qu'ils sont cuits, comme ça le goût il est là direct et ensuite j'assaisonnerai. Comme ça sera carré. Bon je vous explique, là je suis en train de cuire les petites lardinettes. Mais en fait je vais pas mettre les pâtes maintenant. Parce qu'en fait si les pâtes sont prêtes avant les lardons, tu vois, enfin les trucs là, ben ça va pas être bon. Enfin, je veux que tout soit prêt en même temps. Après tu vois, les papillons pour moi c'est indétrônable. Il est fort fort là. Ah je me suis brûlé le dos. Je suis seul contre tous. La vie n'est qu'une. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je n'arrête pas de me battre. Le combat continue. Arrêtez la guerre. Hashtag team. Attends. Même les lardons, gros, je les fais cuire comme des crêpes, tu vois. Je vous explique, on ouvre crème fraîche. C'est la même que la daronne. Parce que tu connais la cuisine de la daronne, elle est indétrônable, pour faire pareil. Oh, c'est dégueulasse. C'est normal que c'est dégueulasse comme ça. Donc là, la sauce elle cuit. On va commencer à mettre pâte, assaisonnement. Donc, en vrai, comment c'est facile à faire. J'ai trop surcoté le truc. Je savais pas que c'était aussi dur, aussi facile, pardon. Donc là, épices, plein sud. Donc merci à Knorr qui m'ont envoyé du secret d'arôme plein sud. Merci beaucoup. C'est un partenariat, mais je rigole. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. C'est normal que ça fait des bulles comme ça. Et ça fait des bulles, ça me donne pas envie, hein. C'est bizarre, wesh. Ah, ou de belles, mais n'est-ce pas, n'est-ce pas. Ma mère, y a pas de bulles quand elle fait à manger. Ah, ça y est, y a plus de bulles. Y a plus de bulles, les gars. Ça y est. Ah, si, y en a encore un tout petit, y a un tout petit peu de bulles. Sel. Je sais pas s'il faut en mettre, mais on va en mettre. Hein, mais... Pour ceux qui savent pas faire à manger, contactez-moi. 10 ans d'école de cuisine. Mon père est chef pâtissier, ma mère est cuisinière, tout simplement. N'hésitez pas. Tu es dans un gros gamin. Dans mon body de la concurrence, elle est épices, important, je les sens jamais mais je pourrais me dire d'en mettre donc je vais en mettre. Donc là, tac, ça c'est bon. Je vais remettre un peu de sel quand même, je sais pas si j'en ai beaucoup. Là. On va recontinuer. Ah les pâtes, j'ai oublié de mettre les pâtes. Je crois que j'en ai mis trop. On continue à trier la petite sauce. Ah, j'ai mis carrément trop d'épices. Hein. Ça pue les épices en fait ça. Non pas d'épices, de poivre. Du coup je vais rajouter un peu d'épices quand même. Pas me dire que t'as pas faim, tu vois. Là je te donne faim alors. Mais dites-vous bien, vous voyez, je sais faire des double edits.
Ouais, je vais faire des pâtes aussi. Et ouais, mec. Moi, je pense que ça va être franchement délicieux. Et je vous jure que je vous donne mon avis réel. Je vais pas mentir, parce que je fais des pâtes, tu vois. Ma sœur, elle va vous donner son avis. J'ai pas dit à ma sœur, dis si c'est bon ou pas, tu vois. Hamburger frites, c'était facile à faire. Mais même ça, c'est facile, en fait. Je sais pas pourquoi je surestime le truc, tu vois quoi. En cuisson, là. Les pâtes, j'ai déjà fait des pâtes, mais... Je vous jure que la sauce, elle m'a l'air mouillée. J'ai envie de goûter, mais je vous jure, je goûte pas. J'attends que tout est dans l'assiette. Et si c'est pas bon, frère, tu sais ce qui va se passer? Est-ce que tu sais si c'est pas bon ce qui va se passer? Il y a Hubert, gros. Hubert qui va venir. J'espère que c'est bon parce que, en vrai, c'est mon meilleur plat et je peux pas refuser de manger ça, tu vois. Très important, petit conseil, si vous mettez du sel, faut mettre du sel dans l'eau. Avant de mettre les pâtes, en fait, tu mets du sel dans l'eau. Vous allez me dire pourquoi? Ça paraît inutile. Mais moi, je vous explique. Quand mon père, il fait des pâtes et il fait ça, c'est pas les mêmes pâtes. C'est pas des pâtes, tu vois. C'est des papates. Elles sont incroyables. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. C'est... J'ai bien aimé le... Bah, rien, en fait. Tu manques de talent. Ils ont jamais fait ça. Faut dire à vous, votre mère ou votre père, n'importe. Tu dis, maman, Reyes, il a dit, tu mets des pâtes dans l'eau avant les pâtes. C'est-à-dire que tu mets du sel. Tu mets du sel dans l'eau avant les pâtes, ok? C'est-à-dire qu'il n'y a que de l'eau, tu mets du sel dedans. Dès que l'eau elle est en train de bien bouillir, tu commences à mettre du sel. Tu mets pas un kilo, hein, mais tu mets un peu de sel. Et ensuite, quand tu mets les pâtes dans l'eau, tu rajoutes un peu de sel. Je sais pas si c'est vrai, ça je viens entièrement de l'inventer, mais ça se trouve c'est vrai, tu vois. Faudra que je me renseigne auprès de mon père. Mais voilà, t'as compris le truc, tu vois. Par contre, ma sauce, je vous jure, là on dirait ma mère. Et si la sauce elle a le même goût que ma mère? Hey, moi, je suis trop un spécialiste des pâtes carbo, tu vois. J'ai mangé les pâtes carbo de tous les restos, de tout. Pâtes carbo, je vous ai dit, c'est ma vie. Oh, les pâtes, elles commencent à être un peu mous. On va goûter une pâte. Attends, j'ai la gueule, là. Elles sont absolument pas cuites. Elles me défoncent les dents. Il faut laisser combien de temps les pâtes? Je jure que ma sauce, elle me donne envie, là. J'ai l'impression d'avoir réussi les pâtes, les gars. Let's go. J'ai rien mis, c'est juste la fourchette, j'ai sorti le truc. Elles sont meilleures que ceux de ma mère. J'espère qu'elle ne regardera pas la vidéo de ma mère, mais je vous jure qu'elle est trop bonne, ma sauce. Les gars, je vous jure que je m'en plains. La sauce, elle est trop bonne. Elle est incroyable. En fait, je vous explique qu'elle est incroyable, mais elle est un peu épaisse, tu vois. Je vais pas mentir, il y a du défaut, faut le dire, il y a une première fois à tout hein, dans la vie. Tu vois, là, tu vois, elle a l'air bonne, mais quand je fais ça, tu vois, ça met du temps à venir au milieu. Tu vois, elle est pas trop liquide, elle est épaisse. Mais du coup, je sais pas, il vient d'où le problème, donc on va essayer de cuire un peu plus, puisque moi, je sais pas comment. Elle est incroyable. Bon, j'abuse, tu vois, elle est pas meilleure que ma mère ou mon père, puisque je suis encore un petit débutant à côté de... Attends. Quand je cuis plus, elle m'a l'air d'être moins épaisse. Je crois que ça va être bon. Faut juste que je verse les pâtes dans ça. Tu vois quoi? Bon, les gars, ma soeur, elle est en train de me vanner parce qu'en gros, elle dit que j'ai pas fait beaucoup de sauce. Bon, là, la sauce, regardez. Il y a vraiment une assiette chacun, pas plus. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui s'invite au dernier moment, c'est pas possible. Déjà, il n'y a pas d'invitation. Déjà, moi, je vous explique. C'est une... Quoi? C'est assez? On va pas finir. Et si c'est pas bon, ça va être du gâchis. Et si t'as encore faim, tu commandes du Uber Eats. Je vous jure que je vous dis honnêtement la vie et il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de ouais, c'est bon pour faire semblant et tout. Mais ma soeur, elle a dit qu'elle aimait bien pour l'instant. Bon, les gars, on a fini de manger. Les deux assiettes sont vides. Donc, c'est bien de préparer ça. Avec le petit iced tea à la fin. Iced tea framboise, tu connais. Moi, je préfère celui-là. On a une bouteille chacun. Bref. C'était bien bon. Pour les frères, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire pour que je refasse ce style de vidéo. Personnellement, ça m'a fait plaisir de la faire. Oubliez pas, très important, code créateur Reyes avec 3 Z. Mes soutiens sont stables. C'est toujours les mêmes personnes qui laissent mon code créateur. Donc merci aux personnes qui mettent mon code créateur chaque jour. Mes soutiens sont stables et je peux vivre paisiblement grâce à vous. Bon, c'était Reyes. Nouvelle vidéo samedi. Active la cloche parce qu'elle est très 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 importante. J'espère que vous allez aimer. Vas-y les frères, c'était Reyes. Bonne soirée. Dans un gros gamos, dans mon bolide, la concurrence elle est